Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus sur la chaîne. Nous sommes de retour sur Dragon Quest, on poursuit l'aventure. On était dans le monde des bonbecs, des pâtisseries, tout ça, bref. Le monde du diabète. On reprend l'aventure, let's go. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. J'avais joué très légèrement après le dernier live. Et j'ai repéré une super synthèse. Je sais pas si on va la faire tout de suite. Mais jetons un œil. C'est celle-ci. Il y a un vieillard sur mon gluant. Avec une attaque à 4 étoiles. Je crois que c'est le premier. Voilà. C'est beau, hein. Donc évidemment, pour le faire, il faut le monte-gluant de métal. Et la gigluante, ou gigluante, je sais pas comment on dit. Et je pourrais récupérer un certain nombre de choses, évidemment. Le truc qui m'intéresse, c'est que lui, je crois qu'il a, voilà, multi-soin. J'aimerais bien avoir le multi-soin. Rambé, il est présent dans Dragon Quest X. Ah ouais? Le problème, c'est que j'ai mis tous mes points ici. Quel génie, hein. Et qu'est-ce qu'il a comme arbre par défaut? Il a ça. Donc déjà avec des trucs assez sympas, méga protection, super décuplo. La lame du dragon en premier skill, c'est absolument génial. Et giga foudre. Mais il est totalement stylé, je trouve. On va peut-être du coup attendre. Merci Nanato. On va peut-être attendre que... Mon monde gluant, il soit un petit peu plus haut. D'ailleurs, on va virer le gluant de Mercure. Et l'autre, c'était gigluante. Je pourrais aussi la récupérer. Bah, histoire de gratter quelques points, je sais pas si je me servirai de l'arbre de talent de la gigluante, mais... Bon. On peut toujours l'embarquer au moins pour monter un petit peu plus vite. Parce qu'évidemment, quand ils sont à la planque comme ça, bah, ils montent pas aussi vite. Elle est quand même 31. Pas mal, hein? Les Français. Je crois que j'ai fait aussi quelques fusions, quelques synthèses, pardon. En dehors du live, notamment le cire Roseguard. Je crois que je l'avais pas celui-là. J'en ai fait une ou deux de plus, mais voilà. Vous savez tout. Bref, on retourne dans le monde des bonbecs. Et puis on va essayer de poursuivre un petit peu le scénario. En même temps, évidemment, on va faire progresser tout ça. Alors, c'était où les bonbecs? C'est reconnaissable assez facilement, normalement. Voilà. Let's go! Roseguard, t'as dû le faire avec Cavalier Fantôme. Je l'ai fait avec celui que t'aimes bien, là. Le Don Quichotte, plus le Cavalier Fantôme, me semble-t-il. J'ai eu un peu de peine, mais... Bon, je m'en suis vite remis. Environ 15 secondes de peine. Alors, qu'est-ce qui me manquait comme bestiole ici? Ah, c'était lui le cavalier fantôme, d'accord. Il me semblait que c'était le deuxième. Bah, il me manque une bestiole ici, une là, et une là. Et lui, je l'ai pas capturé parce que il s'est sauvé, je crois. Ça donne quoi le DLC de FF16? Ben, je l'ai pas testé en fait. En fait, j'aimerais me refaire la main d'abord sur les commandes avant de commencer le DLC. Mais peut-être qu'on se le fera en live, hein. Odile a la bave au coin des lèvres et les yeux révulsés. Ah bah c'est cela que j'ai pas. Ah oui, c'est cela.
Non, non, les tuez pas. Hein. On va juste changer un truc. C'est par rapport au niveau ou par rapport à l'attaque? Oh, c'est pas mal. C'est comme ça que ça doit se passer. J'ai vu un mec qui a 100% de la monstrothèque aujourd'hui, laisse tomber. Ouais, il a combien d'heures de jeu aussi? C'est un travail, oublie pas. Hein. Moi aussi, tu me mets au chômage, je te fais 100% de la monstrothèque. Hein. Ou à l'école. Tu vas me rembourser l'ophtalmo. Faut déjà que j'y retourne, moi, alors, tu sais. Je l'ai pas celui-là. C'est un cuistot? Il se bat avec des fouets? Un fouet? Je sais pas ce que c'est. Ah si, une... comment on appelle ça? Putain, je savais. Du coup, je sais plus. C'est pas considéré comme un dragon, ça? Bon, ça... Une spatule. Mon père, il appelait ça autrement. C'est les trucs pour enlever... quand tu fais un gâteau pour vraiment racler. Maryse, merci Blados. Un cuisinier ce Blados. J'en ai utilisé une il y a une heure, d'accord. Toujours que vous fassiez autrement, vous, les Parisiens. Mais non, c'est les cuisiniers qui appellent ça comme ça, c'est pas les Parisiens. Enfin, les cuisiniers, les pâtissiers, les... Enfin, les gens qui se servent de Maryse, quoi. Espèce de toit, va. Salut. Ah mais c'est pour tout le monde. C'est trop bien en vrai. Je voulais l'utiliser juste pour le monde gluant de métal. Histoire qu'il progresse plus vite. Il y a des puddings. ふざけたこと抜かすんじゃねえ。おお、あれは長老の道具様だ。お、次の支配者ならば、この甘味楼の魔界に伝わる。
アイスの迷宮に眠る珠玉のポップンロッドを取ってくるのじゃ。それを手に玉座に座った者が次の支配者となる。ってことは俺にも支配者になれるチャンスがあるってことか。Ouais, il a changé le génie d'Aladin. Ça, ware koso wa to omou mono wa. Nao ageru chance desu. Watashi tachi mo sanka shimashou. Meikyū kara shugyoku no poppun rotto o mochikaeri, gyokuza ni suwareba yūshou deshita yo ne. Watashi tachi nara きっとできます。まずはアイスの迷宮を突破しましょう。ん？身の程知らずのエルフだな。どうやら揃ったようだな。行くのじゃ！Ok, let's go! Oh, il est beau celui-là. Je suis sûr qu'on peut faire une fusion de dingo si on le trouve. J'espère qu'il existe. Ouais, ouais, pas de soucis, Kendoza. Utilise défense si je veux pas trop taper. Alors, celui-là je l'ai. Il y en a deux autres que j'ai pas vu. Très bien. Petite astuce, donne de la bouffe. Si je veux pas le tuer. J'ai pas besoin de donner de la bouffe, mec. Je les capture à 20%. Et vraiment, tu devrais faire comme moi. Ouais, le géant, tu m'avais dit, faut utiliser des cuplots. En fait, il faut augmenter son attaque, c'est ça, pour augmenter les statistiques de capture. Encore 6 combats avec bonus d'XP. Même pas vu arriver sur moi. Ça a pas l'air trop labyrinthique ici. We'll be right back.
FF7 Remake, si tu fais pas les quêtes annexes, t'en as pour 25 heures, hein, effectivement. Si tu le refais. Et c'est 25 heures quand même avec un très bon rythme. C'est ça qui est cool. Bon, il meurt lui en fait ou quoi? Ça descend, très bien. Là, ça remonte. Et là-bas, il y a une autre entrée. Ah, ça c'est bien. Et je pense que je vais tout mettre là-dedans. Parce que le bras de la justice, je pense que je vais le récupérer avec l'autre. C'est quand même le giga gâche. Ça s'appelait pas autrement ça? C'est pas genre giga slash ou un truc comme ça? Et l'explosion magique. Parce que cela, bon... Ouais, je sais pas trop quoi mettre ici. Ah, les deux attaques existent, d'accord. De mémoire, l'une est mono-cible, l'autre multi-cible. Mais c'est pas le même type d'attaque, il y en a une c'est de la foudre et l'autre c'est de la... de l'attaque physique, non? Ah bah tiens, lui, il est là. Je pense que d'ailleurs, je vais mettre les points dedans. Ça, c'est mort parce que je vais pas le garder, à mon avis. Alors... alors ça, ça permet de redescendre. Mais... ça pointe exactement au même endroit que... je prends la porte là-bas. Ah, mais c'est des Mikado. Alors, il y a un passage au centre. Je vais regarder ce qu'il y a là d'abord.
C'est impeccable, j'ai encore pris 9 points. Bonne nuit, Nona. T'as déjà vu des glands de mercure se balader, Mikami? On dirait la voix de Homer version japonaise. Ah non, t'en as pas encore vu? T'as vu des glands de métal quand même. J'ai envie d'essayer ça un peu. Terrible. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Ah non, c'est bon. Ouais, je m'étais gouré, mais non, c'est bon. Ah, c'est sur tout le monde l'attaque éblouissante. C'est trop bien. C'est comme le jet de sable, quoi. Oula, 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 oula. Je pensais que ça ferait un peu plus mal quand même. Il aurait dû m'endormir le dragon, il a somnambulisme. Il me fait marrer le golem emballé comme une boîte de mon chéri là. Ah, je les ai pas ceux-là, je crois. Salut Alpha Charlie. Petit conseil avant de partir d'ici, heal bien ton équipe. Tu veux dire pour le boss?
Alors... Pas de recrutement. Je sais même plus d'où je venais. Oh, ça marche bien sur cela. J'arrive pas à savoir si c'est là d'où je venais ou si je devais aller ici. C'est très embêtant. Impeccable. Il m'en manque un, mais on l'a pas rencontré encore. J'ai oublié un truc. J'ai oublié de remettre le monde gluant. Je devrais faire monter un petit peu Sir Rosegarde aussi, mais. J'ai pas envie de faire l'erreur de mettre de nouveau, entre guillemets. Je suis revenu en arrière, je crois. Ah non, tout à l'heure, je devais descendre. Non, ça a l'air bien. Ça a l'air carrément bien ici. Ah tiens, ça doit être ceux-là. Je crois que je les ai pas vus ceux-là encore. Pas mal. Comment ça se fait que je lui inflige autant? Bon, alors il fallait mettre un décuplo pour tester. Et le pourcentage est plutôt bon. Là.
Ça doit être son rang en fait. Et ben on est bon pour cette zone, c'est cool. Il était temps qu'il up lui pour récupérer des PM. Mais je pense que je vais retourner à la tour dès que je vais débloquer le TP. Parce que si je me tape le boss sans PM sur le méca chasseur et tout ça, ça va être compliqué quoi. C'est pour un coffre. Bah oui. Oh. Un monocle de maître cambrioleur. What? Augmente très peu l'agilité, la sagesse et les PM max. D'accord. Ça tombe bien, il y en a plein, je leur ai rien donné. Ouais, c'était là en plus. Un peu, c'est déjà pas mal, hein. Plus 10. Méca chasseur, est-ce qu'on peut pas lui trouver de l'attaque? Si, plus 30, waouh. En vrai, j'ai des bons objets, j'avais même pas fait attention. Et le monde gluant, on va lui mettre... j'en sais trop rien. Défense agilité? Il a pas assez de défense et agilité, lui? Bah on en rajoute, hein. En plus, 10 points de vie pour un gluant, c'est énorme. Les deux autres, si on peut mettre aussi. Thank you.
On y est. Donc, je retourne à la tour pour recharger. Et je reviens ici. Allez, c'est parti. Est-ce que j'ai un deuxième healer ? Et à lui ? Je vais remettre celui-là pour le moment, même s'il fait pas extrêmement mal. Pour démarrer, c'est bien. Encore 10 points pour Super Flamme, ok. Encore 5 points pour la résurrection, c'est pas mal. Non, c'est pas par là. Pas terrible. C'est quoi déjà les fioles de rosée? C'est même plus ce que ça fait. Si, ça... Si, si, c'est trop bien en fait ça. Je crois. Oui, ça va, c'est correct. Ouais, 26% de monstres recrutés, c'est pas énorme. Hein. どうせ誰も取りに来やしない。あ、あんたたち何?まさか杖を取りに来たとか?そう、そんなのダメに決まってんでしょ?杖を取られたら仕事がなくなっちゃうの!
やるしかないわね。ここ一番の大仕事よ。かかってきなさい。J'aime bien, ça traîne pas sur les dialogues. Ah, il y a des ZAD. Alors, on va commencer avec ça. L'attaque éblouissante. Ouais. Sur tout le monde, évidemment. Un petit décuplo sur le méca chasseur. Un autre sur le marmitosaure. Et un petit multilame pour commencer. Tu veux le faire, Persona 3 Reload? Bien sûr. Ah non, sommeil. Ah mais ça m'arrange. L'autre il a décuplo. Enfin ça m'arrange, vite fait hein. Ça va me coûter cher cette histoire. Trop bien ce somnambulisme. Ah, dommage, il s'est réveillé déjà. Bon, du coup, on va réveiller l'autre. Parfait. Ça recommence. Celle de choc pour celui-ci. Un pec. C'est passé crème. Et les autres? Tiens, je crois que c'est mon premier monstre de Taiji. Je crois, hein. Du coup, si je comprends bien, ça prend 3 slots, ça. Ah oui, t'as raison. Hier, j'ai eu un crabe. Ah, ça prend 2 places. D'accord. Merci. 地点の玉座に戻りましょう。
C'est vrai que j'avais eu un crabe dans un œuf d'ailleurs, je crois. おまえたちにレースをさせたのは、わしと戦う体力を失わせるため。さあ、杖をよこせ。支配者になるのはこのわしなのじゃ。老いぼれと甘く見るでないぞ。おとなしく死ね。 Oh, le vilain. Lui, il va peut-être être un petit peu plus chaud. On va faire ça pour le Okazu. Ça. Ça va être chaud, hein. Mais on va voir. Il y a toujours le gluant qui est confus. C'est ça qu'Alpha Charlie te disait de retourner te heal avant de partir d'ici. Ouais, je pensais pas que c'était pour l'autre truc. Mais c'est pas grave parce que j'ai quasiment pas perdu de mana. À part pour le méca chasseur, mais c'est pas grave. Ça va le faire. On va le laisser choisir sa skill à lui. Lui aussi, soit dit en passant. Mais non! Faut pas qu'il choisisse. Il fait n'importe quoi! Oh, bien ça! C'est quoi comme bestiole les Nenomacho là? Heureusement que c'est un gluant hein, de Mercure. Ce sont des bêtes. D'accord, d'accord. Bonsoir Chromatique, bonsoir Evan, merci pour le raid Chromatique, c'est sympa. Je pense qu'il vaut mieux que je le sorte lui parce que lui il va être plus dangereux. Hein. S'il me tape deux fois un allié, il me le tue je pense. Hein.
Ah, c'est embêtant ça. Moi, ça va super, merci. Dragon Quest Monster, t'en penses quoi pour le moment? Ben, au début, la technique, elle me saoulait un peu. Enfin, c'était moche, c'était buggé à fond, tout ça. Il y avait plein de clipping. Des espèces de diapositives en guise de d'ennemis quand ils sont loin. Mais en fait, ce jeu, il est super addictif. J'aime beaucoup, en fait. Et il me tarde de voir ce qu'ils vont proposer pour la suite du scénario. Il n'y a pas de souffle. Très mauvaise idée, le souffle. T'as assez pour la machine à tuer, là. Evan, t'as un problème avec les machines à tuer et les méca chasseurs, je crois. Je crois que t'aimes un peu beaucoup les méca chasseurs, les machines à tuer. Enfin, la famille des méca, quoi. J'ai le même avis, techniquement, c'est catastrophique. Mais c'est tellement addictif, j'arrive à la fin. D'accord. T'as combien d'heures de jeu? Je vais continuer en auto-attaque. Trop plus vers les 50 ou vers les 100? Ah ouais, d'accord, 130-140 heures. Ah, on boxe pas du tout dans la même catégorie, je crois. Hein. Moi, je suis un petit joueur, hein. j'ai quoi, 25 heures. Ça sonne pas bien quand tu l'écris, Woody. Le jeu est magnifique. Ça marche pas, ça. Mais c'est pour ça que je fais plus si mal. J'ai plus mon décuplo là, j'avais pas vu. On va le remettre. Pour lui surtout. Dommage, il a attaqué avant. Ah non, il remet ça. J'ai abusé du farm, le jeu est devenu ridiculement simple. Ouais, mais c'est pour ça que... Alors, au-delà du fait que ce soit chronophage, c'est pour ça que je fais pas énormément de synthèses. J'en ai fait quelques-unes, mais je fais pas que ça, quoi. Je sais que c'est un petit peu le but du jeu de compléter le roster et de faire plein de synthèses, mais en fait... Je pense que le jeu peut devenir tellement trop simple si j'en fais trop. Mais vraiment le gland de mercure, il est mortel en fait. Il fait pas forcément beaucoup de dégâts, mais... Putain, mais il va me ken l'autre là. Oh là là. Le pire qui pouvait arriver.
Je vais faire ça. C'est le cas, je passe tout en auto-combat depuis la moitié du jeu. Ah oui, d'accord. Bon, après, j'en fais beaucoup aussi, hein. Sauf sur les boss où là, je suis obligé un petit peu de changer ma stratégie, mais sinon, effectivement, je fais beaucoup d'auto-attaque, hein. J'ai plus de PM avec lui. Attends, j'ai fait un sel pour le mecha. Donc tu disais, Audi, je comprends pas l'offre Fnac sur la Rogue, mais tu devrais regarder ça. Mais ça doit être du cashback dessus. Genre il y a 90 euros récupérés parce que tous les 100 euros tu grattes un peu de sous quoi, sur ta carte. Selon toi, le mecha, c'est un bon DPS? Oui, ça va, il est correct. Ah, c'est une autre offre. Faudra que je regarde. Bonne soirée, bon appétit, Chromatique. Alors, dans l'entre-deux du cercle. Ok, très bien. Pas mal son jeu de mots. アグルカ城。予期知らせがある。進化の秘宝がついに完成したのである。マロの元へ今すぐ参れ。よ。アグルカさんの研究所は覇王城の魔界の初級エリアでしたね。Je l'avais oublié lui. Bon, c'est parfait ça. Allez, on retourne à la tour de Rose Colline.